Il est 10h, l'heure du Flash Info sur RTI1. Bonjour à vous. 506 milliards de francs CFA ont été investis en Côte d'Ivoire au titre de cette année 2013, avec plus de 2500 entreprises créées. Ces chiffres proviennent du bilan du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Adama Koné. La moisson semble bonne pour le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. En 2013, le CPC a suscité des investissements de 506 milliards de francs CFA contre 219 milliards en 2012. Avec l'ouverture du guichet unique des formalités d'entreprise, 2535 sociétés ont vu le jour en un an. Seulement, la part des nationaux dans les investissements est passée de 48% en 2011 à 26% en 2013. La cause identifiée, le directeur général passe aux actes. Le CPC justement va avoir trois axes principalement. D'abord l'information. Déjà ce qui existe, qu'on puisse le vulgariser, informer nos compatriotes que le CPC existe aussi pour eux. Deuxièmement, nous allons bien sûr avec les structures et les ministères concernés par la problématique, nous allons mener des ateliers pour dessiner ensemble, je veux dire, le chemin critique à suivre pour pouvoir permettre à l'Ivoirien d'être plus entreprenant et d'avoir plus de facilité dans son entreprise. Et puis enfin, nous allons pouvoir nous adresser à nos partenaires au développement de sorte à pouvoir engager avec eux des programmes qui permettent la formation, qui permettent l'encadrement et qui permettent l'accompagnement financier de ces PME-là. Faire de la Côte d'Ivoire un pays attractif avec un climat des affaires de classe internationale, c'est la vision du CPC. Le centre a d'ailleurs une idée bien claire des objectifs à atteindre en 2014. Nous voulons pouvoir arriver à atteindre l'objectif de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement privé étranger à travers le CPC. Nous voulons pouvoir vulgariser auprès de la population l'ensemble des réformes que l'État entreprend dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. Nous voulons pouvoir donner l'opportunité à l'entrepreneur ivoirien de pouvoir entreprendre en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous voulons pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une meilleure visibilité de son action. Le CPC débute alors l'année 2014 avec une caravane dénommée Entreprendre en Côte d'Ivoire du 6 au 11 janvier. San Pedro, Bouaké et Yamoussoukro sont les villes à sillonner. Du 29 janvier au 1er février, ce sont 1500 opérateurs économiques venant de différents continents qui participeront au forum Investir en Côte d'Ivoire. Un nouveau centre d'expertise cacao et chocolat du groupe chocolatier français Semoy, inauguré par le ministre ivoirien de l'Agriculture Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ce groupe chocolatier français est présent en Côte d'Ivoire depuis 1970. Gilbert Kone Kafana, maire de la commune de Yopougon, prend officiellement la tête de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il succède à François-Albert Amichia, maire de Trècheville. La passation de charge entre les deux hommes a été l'occasion pour le nouveau président de l'UVICOSI d'appeler tous les maires à s'unir autour d'une cause commune, le développement de leurs différentes communes. Tentative de médiation africaine hier, jeudi, à Juba. Le président kényan Uhuru Kenyatta et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont rencontré le président Salva Kiir. Ils souhaitent mettre en place des pourparlers entre le président et son frère ennemi Riek Machar. Sur le terrain, des combats se déroulent dans la ville de Malakal. En Centrafrique, alors que les violences se poursuivent dans la capitale, des milliers d'habitants prennent la fuite. Les anti-Balaka à dominante chrétienne et hostile au président Michel Djotodia et les partisans de celui-ci, les ex-rebelles de la Séléka, en majorité musulmans, se livrent des combats sans merci. Dans le même temps, un charnier avec une trentaine de corps a été découvert. Les circonstances de ce massacre n'ont pas encore été dévoilées. La justice a ouvert une enquête. Et puis en bref, une puissante explosion a été enregistrée ce vendredi matin dans le centre-ville de Beyrouth au Liban. Aucun bilan n'a encore été établi pour l'heure. L'explosion a été entendue dans toute la ville et une colonne de fumée noire s'élève du quartier des affaires. Et c'est la fin de ce point de l'actualité, le journal à 13h sur RTI1.